Bears Packers, le kick-off. C'est parti entre ces deux rivaux légendaires de la NFL et la première séquence offensive sera orchestrée par Aaron Rodgers, l'homme le mieux payé de la NFL. Bonne stat pour Trubisky qui tourne à 100%, 4 sur 4 sur cette série offensive. Il va garder la balle. Trubisky ! Eh oui ! Le premier touchdown marqué cette saison par les Bears de Chicago, c'est un peu symbolique. C'est marqué par le quarterback Mitch Trubisky sur une bonne feinte avec Jordan Howard. Formation avec un running back. Khalil Mack qui part à fond et va enterrer littéralement Aaron Rodgers. Et regardez cette mauvaise sensation avec Aaron Rodgers qui reste au sol, qui s'est immédiatement touché le genou. On espère qu'il n'y a rien de trop sérieux bien sûr, mais quelle pression immédiate et regardez, quelle image terrible. Sur l'extérieur ça arrive et à l'intérieur ça arrive en plein milieu. Ouh là 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 là. Ça c'est pas une très bonne nouvelle du côté des Packers. Ah oui, il est tombé sur son genou. Alors, pour décrire un peu la situation que vous aviez remontée, l'année dernière, Rodgers s'était blessé. Huntley, l'ancien drafté, et on va revoir le genou. Il s'est plaint du genou gauche voilà. Hein, tout de suite. Et le genou gauche qui reste coincé en porte-à-faux sur sa jambe droite. Et tout le poids de Robertson. Et pour l'instant, évidemment, grosse frayeur du côté des Packers de Green Bay. On ne va pas anticiper, mais c'est forcément une image qui a généré une énorme frayeur sur toute la ville. Allez, pour vous résumer un peu la situation, si cet homme est blessé, la saison est finie. Heureusement, Kaiser a eu cette petite inspiration avec cette petite feinte. Et sinon... 3ème et 19, Kaiser encore une fois sous pression. Il lance ce ballon, intercepté par Khalil Mack. Avec une pénalité dont finalement c'est retenu Khalil Mack. Jusqu'au touchdown défensif. Vous voulez voir l'effet Khalil Mack entre les sacs, les fumbles, les interceptions, les touchdowns. Essayez de cocher ce qui vous manque. Touchdown défensif pour Khalil Mack. Deuxième et deux. Début du. On est encore au début du quatrième quart-temps. Aaron Rodgers essaie d'utiliser sa voix pour manipuler la défense. Et c'est dans les mains de Geronimo Allison, touchdown Packers. Il fallait un acte héroïque rapide pour les Packers de Green Bay. Aaron Rodgers souffre, mais Aaron Rodgers a lancé ce missile qui redonne l'espoir aux Packers. On a plus. Peut-être un peu moins d'énergie dans les jambes des Bears de Chicago qui ont beaucoup donné justement pour prendre le meilleur départ. Khalil Mack. Ça revient vers l'intérieur et encore une passe complétée. Davante Adams va-t-il pouvoir aller jusqu'au touchdown? Les signaux des arbitres. Et Davante Adams va marquer son premier touchdown cette saison. Faux départ, non? Pas sifflé. Rodgers a du temps pour lancer ce ballon. Et Rodgers, dans ces conditions, il trouve sa cible. Randall Cobb est parti au 50. Et Randall Cobb va peut-être aller jusqu'au bout, pourquoi pas au 20. Randall Cobb, toujours debout. Randall Cobb, touchdown Packers. Monumental Rodgers. Et bien voilà comment on aide son quarterback blessé avec des courses comme celle-ci après la réception. Et ils sont sûrs que les secondes... Voilà, tout va s'écouler ici, c'est la fin du temps réglementaire et les Packers de Green Bay complètent ce magnifique comeback. Aaron Rodgers sur une jambe, l'équipe était à la dérive en première mi-temps, on pensait peut-être avoir perdu leur superstar pour la saison et en deuxième mi-temps il est sorti avec le sourire et il a fait du Rodgers en mettant une fois de plus les Bears du mauvais côté de ce match en tant que équipe perdante. Ça fait 5 victoires d'affilée pour les Packers contre les Bears de Chicago. Score final 24-23.